c'est la rentrée, c'est la pierre de Jéricho, Jéricho. Jéricho, proclame joyeux écho, la louange a fait couler. Dans sa présence compromis, et le ministère du ciel sont aux côtés d'Israël et dédié à Josué. C'était ruiné du péché avec ses soldats, son roi. Je vais la mettre avec toi, Jéricho. Jéricho, proclame un joyeux écho, la louange a fait couler tous les mille plus obéis. Louange a fait couler tous les mille plus obéis, tous les peuples obéissants, au son du corps en puissant, avec la chasse et les tours, de ces mille disant c'est tout, et soudainement Josué dit, cette ville pour s'embêter, l'éternel nous a livrés, cet arrogante cité Jéricho. Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Saluons aussi le voisin. Dis-lui que Dieu te bénisse. Salut les biens. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh, 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 Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, que pourrais-je? Tant de merveilles. Tu m'as parlé depuis
Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me prêches ce soir. Priez. Qu'il soit le seul qui va s'exprimer.
lui le grand prédicateur, lui le grand évangéliste, lui le grand docteur, lui le pasteur des pasteurs. Parle-lui là où tu es. Il connaît tes besoins. Il sait que tu as des requêtes. Il sait que tu as des problèmes dans le cœur. Il sait que tu as des situations. Il sait que tu as des besoins. Priez, priez. Bondela, bondela. Amen. Alléluia. Il soit loué. Amen. Il soit loué. Alléluia. Il soit loué. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi le patron de l'univers, toi le boss de nos âmes, toi le chef des sublimes tabernacles, toi le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu omnipotent, omniscient, le Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu, le roi de rois, le El Shaddai, le Jéhovah Shammah, le Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu, le patron de l'univers, le prophète des prophètes, le Dieu prophète, le créateur incréé, le maître de la Genèse, le roi de l'Apocalypse. Ce soir, nous sommes venus au-devant de toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations, reçois les cris de joie. Tu le mérites au siècle des siècles. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en a point. Tu es unique en ta manière d'agir et ta manière de faire. L'inégalable, illimité, c'est toi, Jésus-Christ. Ce soir, lève-toi sur Sion. Sion veut te voir éternel. Descends que sublime tabernacle puisse goûter encore les merveilles de l'éternel. Nous remettons cette partie de l'écoute de ta parole entre tes mains. Bénis, Seigneur, le corps que tu vas utiliser ce soir. Bénis son interprète. Bénis les oreilles qui écoutent.
que nous puissions entendre d'une manière spirituelle et être bénis d'une manière spirituelle. Que ce soit des bénédictions spectaculaires pour épater nos âmes, pour effrayer le diable et le repousser jusqu'au bord. Sois béni, sois glorifié. Bénis tes enfants qui sont en route et bénis nous qui sommes déjà ici. Ton peuple qui nous suit sur internet, bénis et bénis Seigneur. Nous nous remettons à toi au nom de Jésus-Christ, le Dieu de notre salut, le Dieu de William Marion Branham. Accorde le Père bien-aimé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes content ce soir d'être venu dans la maison du Seigneur? Acclamons très très fort. Que Dieu soit loué à jamais. Alors on ne va pas attendre les retardataires. Nous allons démarrer notre train de ce soir. Avec le serviteur de Dieu qui nous a rendu visite aujourd'hui, on va le faire entrer, vous allez le découvrir ensemble. Lui, c'est l'un des hommes de Dieu qui traite avec moi depuis très longtemps. Alors, dès qu'il va arriver, vous savez ce qu'il faut faire. Le temps qu'il va faire sa montée, vous savez ce qu'il faut faire. Pour qu'il soit bien honoré par ses frères et sœurs. Pour y apaiser la locution, on a demandé qu'on aille à Bassi, puis à Mbali. Tobeti ma boko makasi. Pendant qu'on amène, on a basali comme un maillé. On acclame jusqu'à ce qu'il va monter ici. Tobeti ma boko kinoye akumata awa. Jusqu'à ce qu'il montera ici. Kinoye akumata awa. Amen. Amen. Voilà. Malamu. Lui, c'est le révérend pasteur Billy Mwemba. Alors, je vois le visage de ceux qui le connaissent, ils sont en train de sourire. Alors, il nous vient du Canada. Alors, ce soir, vous allez être prêché par un Canadien. Sublime, vous êtes content? Sublime, toi, ça, ce sont les acclamations du chef du quartier. Acclamons pour le roi des rois. Alors, il vient de Montréal. C'est là que se trouve son église, Goshen Taverne. Alors, bon appétit spirituel. Le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Bino bozali komiyo kamala mona poko na lelo. Merci Seigneur. Matondo kolo. Sommes là pour l'adorer. Tozali a poto gumba melaye. Pour le louer. Poto kumisaye. Vous pouvez vous asseoir juste 30 secondes. Bino bokuti ko fanda mo ba monoto to komisato. Je vous salue ce soir dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Na pesino mat sombote na koma moto ya kolo na biso Yesu Christo. Amen. Amen. J'aurais d'être au milieu de vous ce soir. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je suis content que votre pasteur s'appelle Grâce. Parce que les noms ont des influences. Frère Branham dit, il y a quelque chose dans les noms. Tout ce que nous pouvons voir ici, c'est la grâce de Dieu. Merci, pasteur Grâce, pour l'opportunité que vous nous donnez de parler à votre peuple ce soir. C'est quelqu'un que je connais, on se connaît. C'est quelqu'un avant qu'il soit pasteur. Toyebana liboso ya koma mokambi. Et là, je suis content d'être ici.
Wananga na tondi sami na isengo ya kosala awa. Amen. Amen. C'est un homme ouvert. Azali moto moko afungwa melaka moto nyoso. Un homme qui dit ce qu'il pense. Moto ya lobaka likambo azali kokanisa. Et je vous dis que c'est la joie du Seigneur de la voir. Na azali koloba ete azali isengo na kolo komona ye. Amen. Amen. Recevez aussi les salutations de Goshen Montréal. Binoboyamba mbote ya Goshen Montréal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Recevez aussi les salutations particulières de ma femme Rachel. Binoboyamba pe mbote ya mwasi na ngai Rachel. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Binobo selemwi pona liloba. Amen, on peut se lever. Amen. Tokuki kotelema pour la parole. Pona liloba. Il y a certainement les écritures que vous connaissez déjà. On va commencer par Luc. Au chapitre 21. À partir du verset 25. La Bible dit. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme des terres dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. On va prier. Seigneur Jésus, merci encore ce soir pour ta grâce et ton amour. Merci pour ce peuple que tu as racheté par ton propre sang. Et merci pour le calvaire. Nous ne pouvons pas manquer de te remercier pour les saints prophètes William Marion Branham que tu nous as envoyé en ce temps de la fin. Merci aussi pour ces écritures que nous avons lues. Nous prions que toi-même, Père, puisses prêcher et parler à ton peuple. Que tu nous mettes de côté et que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette réunion. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Alors que vous êtes assis, nous allons lire calmement. Tokotanga na kimia nyoso dans Jean 14. Na mukana na Jean 14 à partir du verset 11. Na molongo nango ya zumi na moko jusqu'au verset 14. Kino molongo nango ya c'est Jésus qui parle. Ezali Yesu nde azali koloba. Croyez-moi. Alobi bondi melangai. Je suis dans le Père. Nazali kati na tata. Le Père est en moi. Pe tata azali kati na ngai. Sinon croyez du moins à cause de ses œuvres. Soki ozali kondima ngote kasi bondi mamisala na yango. En vérité je vous l'ai dit. Solo solo nazali koloba na bino. Celui qui croit en moi. Oyo bazali kondima ngai. A aussi des œuvres que j'ai fait. Bakosala misala ngai na sala. Et il en fera de plus grand. Bakosala menene koleka. Parce que je m'en vais au Père. Po etenga na zongi na botata. Et tout ce que vous demanderez à mon nom. Pe nyoso boko je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Pour ce soir, je vais parler sur un petit thème que je vais intituler l'astronomie de l'épouse. Tout ce que nous allons dire ici, c'est ce que Frère Branham a dit. Nous sommes un peuple privilégié d'avoir reçu la miséricorde de Dieu. Recevoir un prophète, c'est recevoir la miséricorde de Dieu. Parce qu'un prophète, quand il vient, il ne vient pas avec ses propres pensées. Il parle de la part de Dieu. Quand Frère Branham dit, en d'autres termes, ça veut dire Dieu dit. Est-ce que vous dites Alain? Amen. Je pense que je prêche aux croyants ce soir. Je croyez la parole. Amen.
Amen. Quand Jésus est venu, tango Yesu ayaki, les gens disaient à Jésus, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a loba ki, Jésus ne refusait jamais. Yesu atikala ki koboya te. Il savait que la parole de Dieu vient au prophète. Et yakana basako. Moïse était le prophète. Moïse azalaki mosakoli. Amen. Amen. Et Jésus acceptait cela. Yesu abana ko ndima yango. Il savait que ce n'était pas en réalité Moïse. Peut ayeba ki te azalaki solo Moïse te. Moïse a parlé de la part de la colonne de feu. Moïse alobaki na ngambo ya molikonzi na moto. De la part de Dieu lui-même. Na ngambo la nzambe ye moko. Amen. Amen. Donc si je dis frère Branham a dit. Ce qu'il a bien découvert dans ma lobby. C'est clair, Dieu a dit. Elige koloba polele te nzambe alobi. Est-ce que c'est clair? Yango ezali polele. Et puis comme je disais tout à l'heure. Loko na te koloba kalate. Peut-être je vais le dire après encore. Le message de frère Branham. Sango yande kobrana. C'est uniquement le mystère. Ezale li bomba mi. Est-ce que vous dites amen? Amen. Même quand nous prêchons l'amour. Tango tzali kote ya bolingo. Même quand nous prêchons la lignée. Atako tango tote ya kapole. Même quand nous prêchons le sang. Atako tango tote ya kamakila. Nous prêchons pas comme la dénomination. Tote ya kalokola bi bongise lote. Tout le monde dit. Jean 3:7. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils. Quiconque croit en lui ne périra pas. Ça nous croyons. Tout le monde croit ça. Mais ce Jésus là, il est la parole. Amen. Amen. Dans ce temps de la fête, nous pouvons aussi dire que celui qui reste soit frère Branham. Moto ayambende ko Branham. A reçu Dieu. Ayambin zambe. Amen. Amen. Lui qui vous reçoit. Oui, ayambibino. Me reçoit aussi. Ayambinga ilokola. Et frère Branham a dit. Pende ko Branham alobi. Que ce que les gens ont manqué dans les âges de l'église. Oyo batu babungi sato pa zanga na bible ko lingomba. Ils ont manqué la partie mystérieuse. Babosa na bazanga loko moko ya ko kamwa. C'est comme Luther. Lokola Luther. Luther a manqué la partie mystérieuse. Derrière de la justification. Ye azanga enkutu oyo ya ko sembolisama. Wesley a manqué la partie mystérieuse de la sanctification. Wesley pe azanga yango. Et ainsi de suite. Peba onyo sabatika ni. Nous ce soir. Biso na poko alelo. Nous remercions le Seigneur. Tosali ko tonda nkolo. Parce que le mystère ont été révélés. Po ete mabomba mi efungwa maki. Et frère Branham et Pende to Branham alobi. Dans Apocalypse chapitre 4. Na mokana ne moni sa mokapola mwa minei. Parle de la prédication Apocalypse. Nazali ko banalité ande ko banam et moni seli. Je crois on parle de 150. Nandimi samiete na mokapo na 150. Que Dieu avait cette lampe dans sa main. Et lobi ete nzamba zalaki ba minda sambo na maboko na ye. Est-ce que vous dites amen? Amen. Le banam dit il avait les sept trônes de miséricorde. Cette trône de miséricorde. Je le dis toujours. Paul était le trône de miséricorde dans son temps. Paul azalaki ngwende ya mawa ya kosambe la ntango na ye. Luther était le trône de miséricorde dans son temps. Luther pe azalaki ngwende ya mawa na ntango na ye. Ainsi de suite. Pe bomo na bongo. Frère Branham. Ndeko Branham. Et le trône de miséricorde. Azali pe ngwende na mawa na ntango oyo na ntango na. Est-ce que vous dites amen? Mais le mystère c'est qu'on n'adore pas les trônes. Mais on adore celui qui est assis sur le trône. Est-ce que vous dites amen? Amen. On n'adore jamais le trône. Mais celui qui est sur le trône. Quand on dit frère Branham le trône de miséricorde. Ça semble un peu difficile. Mais lorsque on dit que le premier trône était au ciel. Et le deuxième trône dans le fils dans Jésus. Et le troisième dans l'église dans la bouche. Tout le monde croit cela. Avant que Dieu habite en toi et moi. D'abord habiter ici. Afin d'acquérir bosso awa. Voici le trône de miséricorde. Amen. 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 Merci Seigneur. Matondo Nkolo. C'est pourquoi le
message temps de la vie. Yangona sangona tengo na suka. Il n'y a plus meilleur que ce message. Ezale loka ki tokota ko le ka sangona. C'est la meilleure chose qui nous soit donnée. Sangona ezale loka malamu epesa meli biso. Ne regrettez jamais d'avoir cru ce message. Ko yoka ka paste na lolengo de meli sangona oyo. Mais ça c'est Dieu lui-même. Sangona ezale nzambe ye moko. Parce que quand Dieu envoie un prophète. Tango za matenda ta mosakoli. En réalité il qu'annonce dans les prophètes. La solo penza ya kota kakati na mosakoli. Il entre dans les prophètes. Akoti kati na ye. Un homme ne peut pas prêcher les choses que nous avons vues aujourd'hui. Un homme ne peut pas faire ça. Moto moto boye penza ko kota makambo biso mo lelo te. Ça doit être Dieu lui-même dans la chair. Et c'est que les choses à nzambe emo ko kati na nzoto na moto. Amen. Amen. Ne regrettez jamais d'avoir cru le message. Yoko yoka pasi te na lolengo de misango. Même si les choses sont difficiles. Atako makambo ezali pasi. Les choses ne marchent pas. Atako makambo ezali ko tambola te. Reste dans ce message. Dieu te connaît. Nzambe ayebi yo. Au bon moment, na ngonga malamu, il te bénira. Akopambola yo. Il faut continuer à croire. Et c'est le combat kondima. À persévérer. Yako yikampiko. À glorifier le Seigneur. Yako komisankolo. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il ne faut jamais penser. Yoko sa moto mbangu mbangu te. Quelqu'un a pris ta bénédiction. Moto ta jure pambolina yo. Quelqu'un a fini ta bénédiction. Moto pe a sili sili pambolina nzambe te. Chacun a une raison d'être sur cette terre. Moto nyo sa zane longa yako sa na mabele oyo. Tu ne peux pas te créer sur la terre au hasard. Nzambe ko tu lo mabele na pamba te. Et personne ne peut prendre ta place. Moto te pa ko ki kozwa esika na yo. Et chacun est important dans les yeux du Seigneur. Moto nyo sa na motu ya la miso na nkolo. Aux yeux de Dieu tout le monde est important. La mission dans un moteur de salaire les tombe. C'est pourquoi fortifiez-vous. Yangona bilobo lenda. Encouragez-vous. Bilobo miyei sampiko. Dieu vous connaît. Peut-être zamba yabibino. Et il vous a choisi au temps de la fin. Ya poni bino tango la suka. Pour porter son nom. Popo mema kombo la ye. Il t'appelle maintenant Madame Jésus. Ye abenga bino mwasi Yesu. La famille au ciel s'appelle Jésus. Libota la likoloba benga mi Yesu. La famille sur la terre s'appelle Jésus. Mabele ah ba bengi yango kombo Yesu. Ce n'est pas n'importe qui peut porter ce nom là. Ezali moto songolo topakala to mema kombo wana te. Ça doit être une madame choisie. Et c'est grâce à la moisson les balles à Ponami par Dieu lui-même dans Zambé Yemoko. Et dans ce message, vous savez que c'est la dernière chose que nous avons. Après ce message, il n'y a plus rien d'autre. Et Dieu devrait s'assurer. Zambé Singatandi ma pensa. Ce message. Na sango oyo. Oh merci Seigneur. Oh matondo kolo. Il met KO le diable. A côté pensa na se Satan a kobuka ye. C'est comme le dernier combat de Samson. Il venait un peu en tout temps. C'est comme s'il n'y avait plus de force. Le prophète était déjà parti les yeux. Les gens pensaient que quand le prophète part, c'est fini. Mais la parole, le message reste. Fonction reste. Et par quoi est-ce? Ce message ne sera jamais une dénomination. Samuel, comment est-ce que c'est? Oh, Samson, il y a des gens qui se moquaient de lui. Bah, toi, regarde celui-ci. Bah, viens, la moto, yo. Il a crié au message. Il n'a rien. Et là, qu'il a crié au message. Il est en train de souffrir. Mais les gens ne savaient pas que la chevelure de Samson était en train de pousser. C'est ce que le diable ne voit pas. Il te voit seulement. Mais il ne sait pas que les seaux ont été ouverts. Et ces seaux-là ont dit qui tu es en réalité. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est le grand problème aujourd'hui. Connaître qui tu es. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est comme ce petit enfant-là. Dans la maison de son père. Et quand il faisait quelque chose, les travailleurs lui disaient attention, je vais te faire. Je vais taxer sur ton père. Quand il casse quelque chose,
t'exercer ton pouvoir. Na kofunde pa papa na yo. Mwana madai kolenga. Dans sa propre maison. La ndako na ye moko. Mwana madai kolenga. Parce qu'il ne connaissait pas sa position. Pote ye ba ke tel melo na yete. Un jour l'enfant a dit. Moko ngoko mwana lobi. Même si je fais mal. Attends qu'on a salé ma bien. Je vais parler à mon père. Na ko yebi sa tata. Je parlerai moi-même à mon père. Gani mokolo ko yebi sa tata na ngai. Et il a approché son papa. A poussé la ke pe mena tata. Papa je fais ça. Après papa na sala ke boye na sala ke boye. Le papa a dit. Papa yebi si. Oh mon fils. Oh mwana na ngai. Tu es l'héritier de tout ça. Yo sali mo sango li anyonso oyo. Ça c'est ta maison. Oyo sali ndako na yo. Si tu fais quoi? Ata ko sali ka monini. Il y a la puissance du son. Nguya ya makila. Il y a l'alliance. Yango boyoka nezali. Inconditionnel que je fais avec toi. Oyo ngai na sala ko zanga mibeto longo na yo. Ça la même chose ce soir. Ezali loko moko na poko lelo. Même si tu as cassé les verres de la maison. Ata ko buki verre ya ndako. Même si tu avais péché. Ata ko sala ke lisumu. Praise God. Même si tu avais commis l'iniquité, attaque ça qui est sous mon encore. Tu es dans la maison de ton père. On s'allait quatre dans la cour à tata là yo. Parle à papa directement. Yo y a mis sa tata là mal à moko. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et papa est plus que capable. Tata ça là va coquille collecte. Il avait tes péchés ce soir. Y a ton longo la masou mon n'a pas quoi de l'homme. Il avait tes iniquités. Y a ton soco la masou mon encore là yo. Bénir davantage. Père apambo là yo collecte. Et Samson était là. Samson a zala kawana. Que c'était fini. Ça peut être ta situation ce soir. Peut-être que les choses sont compliquées. Les choses sont difficiles. Parce que les épreuves ont des niveaux. Mais chacun a une épreuve. Chacun a quelque chose. Peu importe la chose. Oh Seigneur ce soir. Et tu peux dire comme les disciples. Seigneur, augmente notre foi. Peut-être que je n'ai pas assez de foi. Mais augmente ma foi. Qu'est-ce qu'il dit dans la prédication? Et les Hébreux chapitre 4. À partir du verset 50, paragraphe 58. On dit peu importe comment la parole est prêchée. Quelle manière elle est prêchée. Si vous n'êtes pas participant de cette parole, elle ne fera rien. Il dit les gens ont vu Moïse. C'est comme nous on a vu frère Branham. Comme ils ont vu les miracles. Vous avez entendu parler des miracles. Mais à cause des murmures. Oh, depuis que j'ai crié ce message. Oh, je ne sais pas vraiment. Le murmure. Dieu s'est fâché à cause de ça. Ne murmurez pas dans ce message. Dieu vous connaît exactement. Continuez à croire jusqu'à ce que la chose que vous voulez arrive. Est-ce qu'on dit amen? C'était la petite introduction. Maintenant écoutez. L'astronomie de l'épouse. On va définir. Quand frère Branham prêche l'absolu, il prend le dictionnaire Webster. Définir le mot absolu. Pour il dit c'est illimité en puissance. Nous aussi nous avons pris le dictionnaire. Pour d'abord définir c'est quoi l'astronomie. Est-ce que vous dites amen? Amen. Parce que quand tu comprends ce que c'est. C'est alors que tu vas te réveiller. Parce que la différence entre l'astronomie et l'astrologie. Mais je parle de l'astronomie. Qu'est-ce que la science dit, la définition de l'astronomie? Disent que l'astronomie, c'est une science des astres. Alobie tezali biloko bayeko la kamakambo na likolo de corps céleste banzoto na likolo lokola minzoto basanza pe bawe tikali donc ce soir on va un peu étudier les corps célestes. On va quitter un peu la terre. Écoutez, il y a beaucoup d'astres. Ils disent qu'il y a les étoiles, il y a les planètes, il y a les satellites.
Et ça va satellite. Il y a les comètes. Et... Ouvrez ta main. Amen. Maintenant, quand les hommes des sciences. Tant au bas que ma yelle. Aller étudier ce que Dieu a mis là-bas. Cette science-là. Nzambe atia likolo. Cette science là. Ma yele wana ya moto. Étudier les galaxies. Ya koyeko la galaxie. Les exoplanètes. Exoplanètes. Comètes. Comètes. Cette science là de monter. Ma yele wana ya komata. Pour aller étudier c'est quoi le soleil, c'est quoi la lune. Pour pas que nous planions les alis sans aller les alis moi. Belle ça l'astronomie. Babenga tango astronomie. Est-ce que vous dites amen? Amen. Maintenant. Juste une parenthèse. L'astrologie. Astrologie. Pour ne pas faire confusion. Les astrologues. Les astrologues. Ils utilisent les zodiacs. Les zodiacs. Les zodiacs. Pour faire la divination. Pour être baillé, ma moto, ça la canne, ni baillé, ma vie, na yo. Il peut dire que tu es né en septembre, tu es comme ça. Bako, on peut ça sans amour, mon colo, voilà ma vie. Ce sont les astrologues. Wana, ba astrologue. Ils font cette étude là sur la terre. Wana, vous allez qu'on s'en a connu, qu'on a un awa, na ma belle. Nous ne sommes pas les astrologues, c'est ça. Bisoto, zali, batu, abile, mona, l'icolo, awa, la terre. Nous serons comme les mages. Tokosa, loko, la batu, na mayele. Étudier cette astrologie là, ce corps céleste. Wapi, ba yekola, ki monzo. Est-ce que vous dites amen? Amen. Écoutez un peu. Yo kamoke. Ne manquez pas cette base. On dit ceci. Même la terre, c'est aussi un astre. Attaque ma belle, yango pesa linzoto moko. Ils disent que un astronaute. Balobi un astronaute est un membre d'équipage d'un véhicule spatial. Ye azali moto ya bemba kakati na bato ba mataka likolo. Donc aujourd'hui on serait dans un véhicule spatial. Le lobby soto kozala na bato ba komatakati na mpe poto zoke na likolo. Une personne qui fait un voyage au-delà de l'atmosphère terrestre. Moto azali ko bemba atiki mabele akeyi mosika na likolo. On va un peu quitter la terre. Tokotika mabele. On allait au-delà. Poto ke na likolo. Voir ce que c'est. Tout le monde a nini ezali. Écoutez les critères. Yoka miyango po okende. Ce n'est pas n'importe qui peut être astronaute. Ezali moto tsongolo pakala koyiko za moto amataka na mizoto te. Écoutez les critères d'un astronaute. Yoka mibeko po za la moto amataka likolo. Pour être astronaute. Po za moto amataka likolo. Ils disent que tu dois être un pilote militaire. Alobia te singela za mokumbu mpepo soldat. Être en bonne santé physique. Ils disent généralement 6 mois dans la station spatiale internationale. Balobiete okosala bagalasi si sans moto ba bazali ko lakisona lo lenge ali mubanda na momesano. Tu dois avoir une expérience. Et singoza le big moko. Écoutez. Yoka. Un astronaute doit parfaitement être équilibré. Moto mataka na likolo singaza moto saka na makamona kati kati. Tu meurs égale en temps de crise. Yes, singela za moto moka toko tanso matie kiti azali na kimia. Il doit être ouvert aux autres. Yes, singaza moto fongola ka motema na bato mosusu. Il doit pouvoir rapidement s'adapter à des situations changeantes. Yes, singela lo mango nyoso za la soka otine langa ko tina mpela lungwe na boye azali penza na makasi wana. La météo peut changer. Météo ko jiko bongwana. Il doit s'adapter à ce changement là. Yes, singela yo omesa na mbongwana wana. D'avoir une grande maturité de jugement. Et singeli pesanza na mayele ya makasi ya kwa ko sambisa. Na frère Branham ta sinde ko na malobi. La prédication les compte à rebours. Na les termes tango ko bana se ko buta likolo. Paragraphe 40 en bas il dit ceci. Na molongo na ngwa ko tanga 40 na sia lobi. Les choses naturelles. Babiloko ya se makambo ya se. Les types des choses surnaturelles. Yango zele lembo ya makambo ya likolo. Est-ce que vous dites amen? Amen. Les choses naturelles. Matamwe za ka awana seto monaka. Sont les types des choses surnaturelles. Yango za linda kisa makambo ya likolo. Lorsque Dieu, le monde est en train de faire l'astronomie. Tango mokila za liko sala ete ba matana sanza ba mata likolo. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Et ça le pere loko mokila za liko leka na ngamo na molimo. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans le naturel. Wala likambo kisa li kati na nzoto na mabele. Il y a aussi quelque chose dans le spirituel. Et ça appelle loko moko na molimo. En réalité, solo pensa. Le spirituel a existé avant le physique.
prophétique. Je vous donne un exemple. La chaise sur laquelle vous êtes assis. Kiti oyo fandi liboso awa. Avant qu'elle soit chaise. Liboso yango ezala kiti. Elle était d'abord une pensée dans la tête. Ezala kina likanisi na moto. C'était d'abord spirituel. Ezala kina lya molimo. Quand tu as pensé à ça. Tango mota kanisi na yango. Comment penser à ça? Mota kanisi kiti. Il se fait une chose dans l'esprit. Asanisi amisale lelo komoko na molimo na makanisi. Avant qu'elle soit reproduite telle que vous la voyez. Simana yango yango yako koma nengo fandi wana. Les choses spirituelles ont existait avant les choses physiques. Est-ce que c'est clair? Maintenant regardez ici. Il y a des appellations différentes. Écoutez. Yoka. Le mot astronaute. Combo astronaute. C'est les NASA qui utilisent les Américains astronautes. Et ça Américains qui appellent comme astronaute. Ce sont les gens qui parlent comme l'avant des filles. Les Russes ont leur appellation. Et ils disent les cosmonautes. Bango mais ce sont des gens qui font le même travail. Et puis amen. Amen. Ça, on va voir ça tout à l'heure avec les prophètes. Les Européens aussi. Ils appellent les gens qui étudier les corps célestes. Ils disent les spationautes. Mais c'est juste le même travail. Les Chinois aussi ont leur appellation. Ils disent taïkonautes. Ce sont les gens qui font le même travail. Donc, si vous lisez ces termes là, soyez c'est la même chose. Maintenant, l'esprit. Si frère Branham dit que nous sommes des militaires formés. Nous sommes les soldats du Seigneur. Dans la prédication. Dieu tient sa parole. Au paragraphe 17. Verset 57 janvier 20. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la prière. Nous te prions de nous accorder ces choses ce soir. Guéris tous ceux qui sont malades et affligés. Consoles les saints. Appelle les pécheurs à la repentance. Et renouvelle-nous tous pour renouvelle-nous tous pour que nous repartions d'ici en serrant sur nous l'armure complète de Dieu. Vous allez de l'avant en soldat préparé pour les combats à venir. Que Dieu renouvelle notre armée pour être à mesure de faire ces combats. Nous sommes des soldats. N'importe qui ne peut devenir astronaute. Moto moko kokoma astronaute pamba boye. Nous allons lire toutes ces la frère madame dit que nous sommes des astronautes. Tu dois être un militaire formé. Quelqu'un qui est prêt pour les combats. Parce qu'après avoir cru la parole, c'est là où le vrai combat commence. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le combat commence. Il faut être préparé. Jusqu'à verser la dernière goutte de votre sang. Un militaire ne recule jamais. C'est soit qu'il meurt. Topé akufa. Soit qu'il gagne. Topé alonga. Et les gens comme ça. Batu ya boye. Sont les héros. Bazali batu penza ba héros. Même s'il meurt. Attaque akufi. Il sera un héros. Yeah, cause à la héros. C'est ce que nous sommes ici. Ezali ya monde bis tozali awa. Nous sommes des soldats de la foi. Tozali ba soldats na kondima. Peu importe la maladie. Attaque bokono. Peu importe les problèmes. Attaque makambo. Nous resterons là. Tokotika la wana. Jusqu'à ce que. Est-ce que vous dites amen? Amen. Un soldat ne lâche jamais. Aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu. Continue. Combat. Est-ce que vous dites amen? Amen. Écoutez notre critère. Yoka lususu, ils disent. Alobi. Ils
dois être en bonne santé physique. Singa sananzo to kolongono malamu. Le physique toi dois être on parle de spirituel. Moya nzo te singa zandenga mokona molimo. Pour être astronaute, posa l'astronaute, tu dois avoir une bonne santé spirituelle. Singa zananzo to malamu ya molimo. Pour avoir la santé physique, posa nzo to malamu nzoto. Il faut bien manger. Singa lia malamu. Il faut bouger un peu de gymnastique. Singa sala moi physique. Est-ce que tu t'amènes? Amen. Et pour que tu sois en bonne santé spirituelle, pour ça nous autres comme on a un molibo, tu dois manger la pire parole. Est-ce que là les lobos ils allaient à solo? La pire parole sur le message du temps de la fin. Les lobos à solo ils allaient sangona tango na suka. Ils vont dans l'âge des meilleurs. Tous allaient comme ils allaient le coeur malamo. Dieu nous a envoyé un meilleur prophète. Zamba tine le bisomo sakole à malamo. Pour une épouse meilleure. Pour la moisson les balles à malamo. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc on doit manger la manne cachée. Est-ce que les lobos la chair du fils de l'homme pour qu'on soit en bonne santé spirituelle, pas de petit réveil dénominationnel, c'est le premier, deuxième pour. C'est bien, on refuse pas. On a besoin de la guérison des corps. On a besoin de ceci et de cela. Il ne faut pas se limiter là-bas. Il faut manger la chair du fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui amène le changement. C'est ça qui amène la transformation. C'est ça qui te donne la bonne santé spirituel. Est-ce que vous dites amen? Amen. Merci Seigneur. Maintenant encore. En fait, on va commencer à. On est en train de donner la force. Ezali, tozali na banel tozako pesa yango lo lenge. On dit ceci. Balobe boye. Généralement, avoir 6 mois d'expérience. Esenge na ale tabasanga motoba ya mbikela. Nous savons que quand tu as le sixième sens. Toyebe te tango ezali na nama motoba. Tu es au-delà de la terre. Les cinq sens nous permettent à contacter ce monde. Mais le sixième sens, tu quittes les trois dimensions. Tu montes dans une autre dimension. Un astronaute n'est pas lié à la terre. Il est lié au-delà de la terre. Le sixième sens. C'est autre chose que l'expérience personnelle. Avec le Seigneur Jésus. Et Jésus Christ. En d'autres temps. Le baptême du Saint-Esprit. Baptisez mon nom saint. Dans l'âme. Pour être astronaute. Pour astronaute. Tu dois avoir le sixième sens. Et c'est mon nom. Est-ce que vous dites amen? Amen. On est en train de voir les qualifications. Tu comme moi, on a un macoque au poste à la motamata calicolo. On dit ceci. Un astronaute. Moto à mata calicolo. Doit être parfaitement équilibré. Et singras à la moto, c'est lui qui m'a kati kati. Faut pas seulement voler un côté. Kobeta les papunga mon côté. Tu vas manquer la balance. Wana kosa mette le melima lamu. Il faut voler avec les deux ailes. Et singolo pepa mabo komi balé. Il faut l'équilibre. Et l'arbre tombe toujours. L'arbre tombe toujours. Vous êtes quoi, du côté là où il est penché. Ne sika na ngambo ya ngwela la. Reste au milieu. Sika na katikati. Au milieu de la parole. Na katikati na liloba. Au milieu de la vérité. Na katikati na solo. Tu n'as pas à plaire quelqu'un. Yo sala posa te wosepeli sa moto. Il faut plaire Dieu. Et singelo sepeli sa nzambe. Plaire à Dieu. Wosepeli sa nzambe. Parce que les gens te décevront toujours. Les gens te décevront toujours. Et un ami fidèle qui te décevra jamais. Quand les choses seront compliquées, même quand on verra les nuages, comme je voulais parler sur le pays des nuages, mais il y a le soleil quelque part qui va apparaître. Est-ce que vous dites amen? Amen. Gardez votre équilibre. C'est très important. Je laisse ça. Écoutez l'autre point. Yoka litondo mosusu. Point par point. Il doit être d'humeur égale en temps de crise. Yesengela za la molimo na pesa na kimia tango mgelela ezali. Quand il y a la crise à l'église. Tango mgelele kotikati na losambo. Quand il y a la crise à la maison. Tango bokaya e kotikati na ndako. Quand il y a la crise dans les mariages. Tango bokaya e kotikati na libala. Il doit garder son humeur intacte.
Quand les choses ne marchent pas, l'instrument ne panique pas. Parce que paniquer, ça peut causer un accident mortel. Frère, madame, dès que vous diminuez en foi, vous rétrogradez. Tu dois garder la morale forte. Même si le mariage a duré. Même si la maison a duré. Même si le travail a duré. Même si les enfants Même si le baptême du Saint-Esprit a duré, ne change pas d'humain. Yoko bongola ezaleli na yote. Sois toujours heureux. Yo zalakata moto na esengo. Sois toujours content. Zalakata na esengo. Parce que tu es un astronaute. Pour être ezaleli moto matakalikolo. Est-ce que vous dites amen? Amen. Merci Seigneur. Matondo kolo. Écoutez, on commence à terminer avec les critères. Yoka to komi kosile se longona ma miango. On dit ceci. Balobi boye. Il doit être ouvert aux autres. Yesengla fongwa mela bato mosusu. Un astronaute n'est pas seul, singleton toujours. Moto ya sonata za moto mi kanga kayo mokote. Il découvre quelque chose. Soka kukole lika momoko. Dans la cabine là où il sont. Na sika ya zali. Il doit alerter les autres. Esengla bisa baninga na ye. Pourquoi? Pona nini? Parce que même si tu n'es pas là. Pote attaque yo zali wana te. Ça doit continuer. Il faut avertir les gens. S'il y a une opportunité quelque part, parle à ton frère. Parle à ta soeur. Il ne faut pas garder ça pour toi-même. Ils sont ouverts. Soyez ouverts aux autres. Communiez avec les autres. Quand l'église termine, tu disparais. Tu es dans la voiture, tu pars. Tu ne peux pas même saluer les autres. C'est sûr que tu peux être pressé. Mais sur ton passage, il y a des gens, il y a des frères. Ceux qui n'ont pas de combat, je te bénisse. Je suis un peu pressé, je dois partir. Ah, c'est que nous allons Kimia. C'est ça un astronaute. Un astronaute ne vit pas pour lui-même. Moto astronaute habite à il vit pour les autres. Habite à Capone à tout ce qu'il a, il le partage. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il y a beaucoup de choses. On peut rester ici même deux mois. Et ça, on va quand même bien. On doit aller vite. Et c'est que Mbango. Écoutez. Yoka. Alors que je termine les critères. Il doit pouvoir rapidement s'adapter à des situations changeantes. Quand la météo change. Ce qui doit s'adapter. Quand ton travail termine. Ce n'est pas le temps de se plaindre. Adapte-toi à la nouvelle situation. Est-ce que vous dites amen? Amen. On peut dire que le culte va changer. L'air du culte va changer. Adapte-toi. Un astronaute ne se plaint pas. Moto matakalikolo alelaka lelaka te. Quand les choses changent, ce qui m'a mis bon wali, il s'adapte. Ya mesanaka. Toujours la morale. La molle, et garder l'équilibre. Abattre la parce qu'il a une mission spéciale. Pour aller étudier les corps célestes. Pour te est-ce qu'on dit amen? Amen. Maintenant. Sika. On va voir quelque chose. To komona lika momoko. Frère Branham est ici. Oh, je vais juste noter certaines petites choses ici. Awa. On va sauter ça aussi. Maintenant, quand ces gens-là sont partis dans les airs, tango les gens, bakenda kana mapata na likolo, au lieu d'aller étudier ce que Dieu a déjà mis là-bas, des zodiacs qui rôdent, et si ils veulent commencer à bouger, à déplacer pour mettre leurs histoires. Bango bakomi akoningisa pour te batia biloko na bango. On va lire rapidement. Compte à rebours. Frère Branham dit au paragraphe 76. 76. Bon, pour les Belges, 76. Frère Branham dit ceci. Mais maintenant, il s'est produit une autre chose. Et nous avons maintenant un astronaute. John Glenn. John Glenn a été notre premier astronaute.
yazalaki moto na biso liboso amataki likolo. Et nous voyons que ça c'est bien au-delà de l'avion. La vie ne peut pas monter et tant que la pression est là. Et tout. Mais ici, il s'agit d'une puissance atomique. Une puissance plus grande. Qui en le pressurisant lui permet de monter tellement plus haut que la vie. Il permet même que la vie est complètement dépassée. C'est vrai. Il a réussi à accomplir cela très bien. Maintenant nous avons un ange de l'astronaute dans les domaines naturels. N'anzoto boye. Est-ce que vous dites amen? Amen. Dans les domaines naturels. N'anzoto boye. Nous avons un âge de l'astronaute. On dit que ce n'est pas comme l'avion. L'avion, il faut la pression. Parce qu'avant l'avion, dans les âges de l'église, on avait d'abord l'âge des chevaux. Après, il y a eu l'âge de la voiture, l'automobile. Le troisième âge, c'est l'âge de l'avion. Et nous sommes maintenant dans l'âge des astronautes. Mais l'âge de l'avion, il faut une pression. Et si tu as moto, tu as un peu si mal. Il y a des frères. Ndeko. Il faut une pression pour qu'il vienne à l'église. Il vient encore dans l'âge de la vie. Azo il y a le quoi les un peu. Il y a des sœurs pour venir pour faire quelque chose. Il faut une pression. Pour yaya malamu pousu pousu batini kaka yeka. Il faut une pression. Et c'est quoi ça moto molunge. Tu n'es pas astronaute. Yo salut mota matagali kolote. Vous êtes amen à ça. Amen. Il y a d'autres qui sont encore même dans l'automobile. Et ça va tout mousu alors qu'on a moto ka. C'est à dire que il faut batini kaka. Il faut qu'on pousse la voiture. Il y a besoin batini kaka na nu pour appeler là. Quand ça salit même des il a un petit travail donc il allume un peu. Ce cas, je m'en suis là et il y a pas mal de sang. Il faut que les diacres viennent pousser. Il faut aussi que les diacres mangent bien pour la force. Il y a des gens qu'il faut pousser pour quelque chose. Et bien, il faut pousser pour quelque chose. Aussi longtemps qu'on te pousse, tu es encore dans l'avion, dans l'automobile, dans les chevaux. Il y a des gens qui ont un peu pour les gens qui ont un peu. Moi, je suis astronaute. Je vis dans un autre âge. Dans la copie qu'elle est comme sousou. L'âge au-delà des avions. Elle est colibana en peuple. Est-ce que vous dites amen? Amen. Écoutez ceci, mes amis. Yo kawe baninga nangai. Frère Branham. Dans les domaines naturels. Na makambo na nzoto boye. L'astronaute. Na eleko ya bato matakali kolon. Qu'est-ce que cela représente? Un âge spirituel. Eleko ya molimo. Un temps spirituel. Tango ya molimo. Où tu auras des astronautes spirituels. Ozamba kozoba mati ya likolo ya molimo. Est-ce que vous dites amen? Amen. Quand nous avons un astronaute dans les snatchs. Tango ta moti ya matakali kolon na nzoto. Aussi des astronautes dans les spirituels. Je vais sauter beaucoup de choses. Je vais prendre un petit. Quand ils exposent leurs sciences. Tango bango ba talisa kamayele na bango. Ils font des découvertes. Tango la kisa kanini ba kukoli. Ils ont des musées là où ils exposent pour que les gens voient. Bazala ba ndako ba bomba kabike ko biloko ba talisa kanini ba zui. Ils ont découvert ça. Biso to kukola kibo. Ils prennent des photos. Bo ba zui lilingi. Ils mettent là. Ba te wana. Frère Branham. Le komaya malobi. Nous aussi ce soir. Biso pe na poko lelo. Nous sommes ici. Pour te montrer pour te lakisa, ce que Dieu a fait aujourd'hui. Nzambe asali lelo. Est-ce que vous dites amen? Amen. Écoutez un peu. Yoka. Je vais sauter certaines choses aussi. Na kopi mwa ka bibele awa. Je vais décider rapidement. Nazali ko kidana ko kitana lo bango nyoso. Frère Bala me dit ceci. Ndiko ba malobi boye. Dieu aura des astronautes spirituels. Il aura des astronautes spirituels. Et ko sana ba buti a molimo ya likolo. Il dit amen. Ndiko ba malobi amen. Il dit ils sont ici. Maintenant même. Si il faut s'identifier aux écritures. Et c'est il faut dire je suis là. Et c'est ils sont ici.
maintenant. Même si tu es encore dans l'avion, ta foi peut te déplacer, te changer de l'avion à l'astronomie. C'est comme je l'ai toujours dit, je l'avais dit encore. Cet enfant-là dans l'avion, quand il y avait des turbulences, les gens connaissent, les gens qui prennent l'avion savent ça. Il y a des turbulences des fois dans les avions. C'est-à-dire que le temps est mauvais. Et ça commence à bouger partout. Le pilote va vous dire: attention les amis, nous sommes dans une zone de turbulence, serrez vos ceintures ainsi de suite. Et des fois les nuages sont très forts, ça bouge, l'avion, des choses bougent. Il y a des turbulences qui amènent des paniques. Parce que les valises commencent à tomber. Les gens commencent à tomber. L'avion commence à balancer dans tous les sens. Les gens commencent à pleurer. Mais il y avait cet enfant-là. Quand il y avait la turbulence, qu'est-ce que lui faisait? Il ne lisait que les journaux. Malgré que les gens pleuraient, toi, on va mourir. Tu ne fais rien. Aux autres, c'est côté. Mais il sait que les journaux. La même chose. Alors que les choses ne marchent plus. Les choses sont en débattant. Tu ne fais que lire le message. Tu ne fais que venir à l'église. Tu ne fais qu'écouter la bande. Tu ne fais que te réjouir. Alors que les choses sont compliquées. Tu ne fais que venir à l'église. Tu ne fais qu'écouter la bande. Oh, merci. On dit pourquoi cet enfant ne panique pas. Pour la fois, vous voyez que les gens ne comprenaient pas. Il a dit: soyez calme. Les pilotes là-bas. Pilote Azakona. C'est mon père. Azali tata nangai. Il connaît que le fils, moi, je suis en arrière. Ayebi te ngai moi na tata nasima. Il va s'assurer. Ya kondimi sama sike. Que rien de mal ne m'arrive. Atekele koma kama beko kome nangai te. Même chose ce soir. Et loko moko la poko lelo. Malgré les pressions à gauche à droite. Atekele komo pepe za la poko masipi ya mubali. Le pilote connaît que tu as un problème, tu es le fils. Pilote ayebi te ozali moi na ozali na kati. Il va s'assurer. Ya kondimi sama. Que rien de mal ne t'arrivera. Et loko. Soyez calme. Il a le contrôle de toutes choses. Il est sous contrôle. Il est le capitaine en chef. Il connaît réellement. Aïe, puis solo. Touché. Wapé, si que c'est un Simba. On parle de ce mécanicien. Ne comprends pas ce mécanicien. Oyo. Ce mécanicien. Mécanicien, Anna. Il était un professionnel. Yazala, qui a yébi. Il réparait les voitures. Abreko, bon, ça m'y touka. Mais ce jour-là. Kasimokolo, Anna. C'était le moteur fort. Et Zalaki, moteur fort. Il a essayé de réparer. Ameki. Ça ne marche. Ezo Simbate. Il a essayé. Ameki, Yawa. Ça ne marche. Ezo Simbate. Chaque fois que tu essaies toi-même. Mbalanyoso, meke kalikambo, yo moko. Il a vu seulement un homme venir. Il a dit bonjour monsieur. A dit bonjour Mutamutu. Comment ça va? Boni yo. Ça va bien. Nazama lamo. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ni les autres non seulement pas, c'est mon terre. C'est difficile. Mon terre on a bunda nezo simbate. Il a dit ok, touche ici. A dit Simba awa. Touche. Simba awa. Touche là. Simba awa. Touche. Simba awa. Touche. Simba. Touche. Simba awa. Démarre le moteur. Yop matisa. Ingénieur oya sala ki mutu kawana. Mais toi tu es qui? Tu es qui? Abiyu zanani. Je suis monsieur fort. Abinga za moto. C'est moi qui ai créé ce. Abiyu zalinga na moto na sali mutu ka oyo. L'ingénieur inventeur de nos vies. Pe moto sala bomo ina biso. C'est le Seigneur Jésus. Ezali kolo Yesu Kristo. Il connaît réellement où toucher ce soir. Ayemi sikali na kosima na poko lelo. Et il est en train de toucher maintenant ma. Pe azali kosima yango sika oyo. Pas de na. L'obité. Maintenant ma. Sikawa kaka. C'est que tu sens là. Oza koyoka wa ingénieur qui touche. Ezali yemo ko akela ki oza kosimba. C'est que tu sens là. Ezali koyoka. Celui qui te touche. Ezali yende kosimba yo. Quand il touche. Tango simba ka. Le moteur doit démarrer. Moteur est singele tambola. Peut-être moi je ne connais pas ton problème. Bazu ka bilika mona yote. Mais lui connaît ton problème. Kasi ya yebilika mona yo wana. Il connaît ta requête. Ayebili lombo na yo. Peut-être tu ne requêtes qui
qui a beaucoup duré. Par la c'est une panne qui a beaucoup duré. Et l'ingénieur inventeur. Quel grand astronaute lui-même. Peut-être que je ne terminerai pas ma prédication. Tandis que le grand astronaute est descendu. Le Seigneur Jésus-Christ. Quand il descend. Kitaka. Il est le terrible de l'assemblée des saints. Quand il descend ici, sublime devient saint. Sublime comme mon saint. Tout le monde devient saint. Montez-le ça comme mon saint. Dans le Dieu trois fois saint. Cet endroit-là devient redoutable. Et si on est comme ce qu'on tout a tembêté, et vous devenez le redoutable. Et ce grand astronaute vous bénisse. Astronaute Moulena, à part mon abîme. Qu'il vous bénisse à tous égards. Qu'il guérisse toutes les maladies. Restaure le travail. Qu'il purifie nos cœurs. Qu'il nous baptise tous du vrai baptême du Saint-Esprit. Qu'il nous transforme à son image. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je m'arrête par ici. Shalom dans le Seigneur. Acclamons très 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 fort. Tometi maboko makasi makasi. Non, acclame en désordre. Beta maboko na mobulu. Je veux qu'on acclame comme on acclame le roi. Sublime, acclamer le Seigneur comme on acclame le Seigneur. Ici chez nous, quand nous acclamons le Seigneur et le président de la République et le pasteur et le croyant et les frères et les sœurs, tout le monde se tienne debout. Acclamons le roi des rois. Alléluia. L'ingénieur inventeur. Yemokeli Yamakambo. J'ai aimé cette note-là. Il a dit le grand astronaute est descendu aujourd'hui. Combien croient qu'il est descendu? C'était ce jour-là. Le 28 février. Le 28 février. Sur le mont Sunset, c'est où? Le 28 février. Le 28 février. Sur Sunset. Sunset. Qui vous voyez là-bas? Remarquez que ce n'était pas sur la terre. La photo là c'était sur la terre. Mais c'était où? Dans les airs. C'était dans les airs. Pourquoi? Parce que l'astronaute, sa place n'est pas sur terre. L'astronaute, sa place c'est où? Dans les airs, astronautes n'a qu'on les a qualifiés. Pourquoi il était descendu? Yamoala Kitaki. Christ est le Dieu que nous adorons. Christ, Yeso, Misto Gumba Melaka. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Quand les sept anges sont descendus, quand on mange Samba Kitaki, il y avait un d'entre eux qui mourait qui avait poitrine bonne et qui regardait Branham face à face. Et ces anges-là sont entrés en William et Pierre. C'était pour changer ta vie. Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Il a avalé cette nuée. Dès qu'il l'a avalé, maintenant quiconque croit à ce message, quiconque croit à ce message, lui aussi avale la nuée. En d'autres termes, terre à terre.
Vous êtes les gens comment? Ciel à ciel. On me critique. On ne m'aime pas. Ça, c'est le langage de gens terratés. Ce soir, oublie les critiques de gens. Oublie ce que les gens parlent de toi. Toi, tu es ciel à ciel. Reçois un travail ciel à ciel. Reçois un mariage ciel à ciel. Reçois une élévation ciel à ciel. Je suis en train de te donner les choses. Tu reçois comme quelqu'un qui est malade. Reçois ça avec toute énergie. Reçois ça avec tout ce qui est en toi. Tu es béni. Marche un peu là où tu es. Je suis astronaute. Je suis astronaute. Regarde ton voisin dans les yeux. Tu es heureux. D'adorer avec un astronaute. D'adorer avec un astronaute. Tu es béni. Notre Dieu, c'est le grand astronaute. Alléluia. Alléluia. Notre prophète, qui il est? Astronaute. Je peux descendre. Votre pasteur. Qui il est? L'astronaute des sublimes tabernacles. Comme moi-même, je suis astronaute. Obligatoirement, mes enfants sont aussi des astronautes. Alléluia. Tu es astronaute. Tous les petits rêves là, nous les prisons. C'était des grands rêves. Des grandes visions. Alléluia. Oh Zambé, donne-moi une moto pour que ma vie change. Ça, ce sont des prières des hommes terre à terre. Voilà ma bonne élève à Tuyassé. Ça, c'est pour les terre à terre. Terre à terre, Batuyassé. Même s'il y avait quelqu'un qui priait que Dieu lui donne la moto, moi en tant qu'astronaute du message, en tant qu'astronaute des sublimes, je convertis ta prière. Est-ce que tu m'entends ce soir? Et est-ce que tu les reçois? Vous savez, au piano là, il y a une fonction qu'on appelle transposition. C'est-à-dire que tu peux appuyer quelque chose, tu appuies la note do, tu sens que c'est trop bas, tu transposes, mais tu appuies la même note do là. Mais quand le son sort, les sons de son, elles sont déjà élevées. Qu'est-ce que je veux dire? Toujours la même prière que tu avais fait. Oh Dieu, donne-moi ceci. Ce soir, je prie la même prière, je la transpose. Toi, tu as demandé la moto, mais quand la réponse vient, ce n'est pas la moto qui vient, mais c'est des véhicules qui viennent. Au nom de Jésus Christ, je transpose vos prières. Que quelqu'un dise alléluia. Hey, dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je transpose vos prières. J'avais prié pour un mariage d'un certain niveau. Moi, je viens ce soir avec le système transposition. Je transpose ta prière. Le mariage que tu avais demandé à ce niveau, je l'amène au niveau pour monter là, il faut l'échelle. Soit transposé. Au nom de Jésus Christ. Pourquoi? Astronaute. Moto ya matakalikolo. Astronaute. Moto ya butakalikolo. Astronaute, frère. Astronaute. Ne regarde pas ce que tu vois dans ma vie aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu vois dans ma vie. Il te voit, tu viens à l'église à pied. Azali komolo ya losa mona makolo. Il te néglige. Azali kotiola yo. Mais il ne sait pas. Kasi ya yebite. Que je suis astronaute. Et tu veux azali moto matakalikolo. Toujours à pied. Kaka la makolo. Astronaute. Astronaute. Tu lui rendez-vous dans quelques jours. Rendez-vous dans quelques jours. Alléluia. Amen. Rendez-vous d'ici peu. Même si je n'ai plus la garantie. Rendez-vous dans peu de temps. Ma prière est déjà transposée. Les résultats viendront.
au-dessus de ma prière. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un astronaute peut encore marcher? Marche. Astronaute, marche, tu es astronaute. Aux allées astronautes. Marche, tu es astronaute. Aux allées astronautes. Sois fier. Aux allées astronautes. Tu n'es pas n'importe qui. Aux allées astronautes. Tu n'es pas n'importe qui. Aux allées astronautes. Tu es qui? Aux allées astronautes. Aux allées montées à Mataka, l'icolo la minzoto. Le mariage des astronautes. L'ibale à Batua minzoto. Le travail des astronautes. Où sale à Batua minzoto l'icolo. Et s'il y a quelqu'un qui est malade ici? Soit qui monte aux allées bokono awa. La guérison des astronautes. J'ai envie d'appeler ça dans mon français. La guérison astronomique. Alléluia. Alléluia. La guérison astronomique. L'obico astronomique. Les bénédictions astronomiques. L'obico l'élévation astronomique. Et puis, tu sais, un astronaute, il monte, non? Combien croient qu'il monte? Tu sais, quand quelqu'un est au-dessus, tout le monde le voit. Vrai ou faux? Quand quelqu'un est au-dessus, tout le monde le voit. Je veux seulement dire que quand ta bénédiction vient, elle ne sera pas une bénédiction en dessous du lit. Mais ça doit être une bénédiction. Que tout le monde doit voir. Les jaloux doivent voir. Les sorciers doivent voir. Les magiciens doivent voir. Dites alléluia. Alléluia. Envoie-moi amène trois fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut les réjouir encore? Comme Anaïn. Comme Anaïn. Les gens doivent les savoir. Les gens doivent les savoir. Le coup de la naïne, le jour est encore très bien. Comme Anaïn. Le coup de la naïne, les gens doivent les savoir. Pourquoi ils doivent les savoir? Astronaute. Astronaute Mouta Mataka. Tu as besoin d'une boutique. On s'en a pas sa boutique. Sois supermarché. Tu peux sur supermarché. Amen. Je les reçois. Hein? Dans le bini, supermarché. Par le bien, et si qu'on va te faire un comme une nébelle ou un an. Et puis, père, et vous avez une adresse, moi, y a bien. Place à référence. Place, il y a que même un verre, le bazo, mon agézawan. Donc, tout le monde est obligé de voir ça. Moi, tu vas te saigner dans mon angoisse, ça, la moussika. Pourquoi y en a un? Regarde comme ils sont beaux. Astronaute. Bateau va m'attaquer à l'icolo. Ah Dieu, merci pour sublime. Oh, ça m'attend pour la sublime. Il fallait seulement vous. Et c'est que la kika cabine. Il fallait seulement vous. Et c'est que la kika caillot. Là-bas, astronaute. Pour moi, là-bas, astronaute. Même vos habillements, ça doit être des habillements astronomiques. Attends, comment il y a un habillement là, c'est un habillement à l'icolo. C'est pas de l'orgueil. Et ça, l'on l'a noté. Et ça, orgueilité. C'est seulement que NASA astronaute, frère. Maman Ruth. Astronaute. Astronaute, maman Ruth. Le sac qu'on a bino. Alors, en tant qu'astronaute, viens parler au grand astronaute. Viens lui parler. Pose-lui ton cas. Lui le grand astronaute. Lui le grand Jéhovah. Le Dieu de Billy Moen. Zambe ya Billy Moen. Le Dieu
Le sublime tabernacle. Zambe ya sublime mungombo. Le Dieu de Goshen tabernacle. Zambe ya Goshen mungombo. L'astronomie de l'épouse. Astronomie ya mwasi na libala. Oui mes amis. Iye baninga. C'est ça notre mode de vie. Yango la bomo inabiso. Dieu est ici. Zambe azali awa. Il est au sublime tabernacle. Azali na sublime mungombo. Pour changer chaque vie. Pour changer chaque vie. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Tu ne peux pas être ensorcelé. Tu es astronaute. Les petits sorciers peuvent monter. Mais ils ne monteront pas jusqu'à ton niveau. Toi tu montes au-delà des dimensions. Tu es celui qui part dans des sphères. Tu dépasses des dimensions. Tu dépasses des sphères. Tu es leader. Parle au Seigneur. Priez astronaute. Parle à Dieu le désir de ton cœur. N'oublie pas que c'est déjà transposé. Dieu est ici pour écouter ta prière. Qu'il prenne soin de tes enfants. Qu'il te donne un bon mari. Qu'il te donne une bonne femme. Un bon travail. Qu'il te donne le Saint-Esprit. La vie de la prière. L'onction. Et par quoi? Priez, priez. Bondela, bondela. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Jésus.
Jésus-Christ, notre Dieu, toi le patron de nos âmes, le grand astronaute, l'astronaute ingénieur inventeur de notre royaume, ce soir nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous venons d'apprendre, Père, que nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes des astronautes. Nous sommes ceux-là qui doivent monter, qui doivent aller plus loin. On n'est pas des hommes terre à terre, mais nous sommes des hommes ciel à ciel. Merci pour la révélation de ce soir. Merci pour l'inspiration. Merci Seigneur pour la prédication de ce soir. Nous t'acclamons Seigneur Jésus du fait que tu as envoyé ton serviteur venir nous parler de ta part. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous sommes rassurés que nous ne sommes pas seuls. Il y a le grand astronome de notre royaume qui est en train d'observer notre marche, notre manière de faire et notre manière d'agir. Père bien-aimé, sois miséricordieux envers tout un chacun de nous. S'il y a quelqu'un qui était malade au milieu de nous, nous croyons que le grand astronome l'a guéri ce soir. Nous croyons que ceux qui avaient des questions ont reçu les réponses. Merci pour la joie que tu as mis au milieu de ton peuple. Merci pour l'inspiration de ce soir. Oh Dieu, laisse maintenant que nos familles, que nos foyers soient réellement construits des astronautes, Père. Qu'on ne soit pas dans des choses, dans des futilités, dans des pensées vaines, dans des histoires qui nous attirent vers le bas, mais que nous soyons au-dessus. Au-dessus de la tentation, au-dessus du péché, au-dessus de mauvaise humeur, au-dessus de tout ce que le diable peut mettre devant de nous pour nous attirer vers le bas. Merci pour sublime. Merci pour les huissiers. Merci pour les administrateurs. Merci pour les instrumentistes. Merci pour les musiciens. Merci pour les interprètes, les caméramens, les techniciens. Merci Seigneur Dieu de gloire pour quiconque travaille dans cette église. Merci pour les frères et les sœurs de cette église. Merci même pour ceux qui nous ont rendu visite. Merci Père. Nous croyons que le dimanche ça sera encore formidable. Nous croyons que tu vas encore nous amener dans les sphères les plus élevées le dimanche. Car tu es le Dieu qui nous amène de gloire en gloire, de révélations en révélations, de profondeurs en profondeurs, de bénédictions en bénédictions. Oh Dieu, pour ce soir, bénis les dîmes et les offrandes. Bénis quiconque a amené quelque chose pour mettre dans ta maison. Même celui qui n'en a pas, oh Dieu, bénis-le aussi davantage. Pour qu'à la prochaine, qu'il puisse donner quelque chose. Car c'est en cela que nous sommes bénis financièrement, matériellement. Accorde-le, Père bien-aimé. Alors que nous signons cette prière au nom de notre rédemption. Le nom du grand astronaute, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, la parole révélée. Accorde le Père bien-aimé. Amen. Amen.
Acclamons très fort la gloire du Père. Que le Seigneur soit béni et soit loué à jamais. Alors les hommes de Dieu vont passer rapidement avec les corbeilles. Donc l'opération pour le 5 dollars du loyer, celui qui n'avait pas donné le dimanche passé, il aura la chance d'en donner le dimanche. Alors, il faut vous apprêter pour cela. Même si tu avais déjà donné et que Dieu mettait quelque chose sur votre chemin, venez nous aider parce que même ce qu'on a pu avoir le dimanche passé n'a pas pu remonter là-bas. Ce qui est ambassadé, tu oses le comment on en zéro na yo. Il y a qu'à côté à pointe tout ça qui m'occupe le leki. Il y a un gros salaire coco quatre pour nous foutre en d'accord. C'est l'argent que nous sommes en train de ramasser pour payer le loyer. Et ça les bons gros salaires coco la porte foutre en d'accord oyo. Alors, honorable Mathieu, remercie ceux qui étaient venus entretenir le temple hier. Et invite encore les membres de sa juridiction de venir entretenir le temple demain samedi à quelle heure? À 16h. Voilà. Vous avez aimé la prédication de ce soir? Acclamons pour remercier le Seigneur pour l'inspiration. Que Dieu bénisse le pasteur Billy. Zambé apambola mokambi Billy. Et quand il va retourner chez lui au Canada, qu'il apporte nos salutations. Il va amener les salutations des sublimes tabernacles. Nous allons nous retrouver le dimanche. On m'a fait signe qu'il y a déjà le corbeil pour le loyer. Venez. Il faut toujours vous efforcer à ne pas manquer de mettre votre argent dans le corbeil. C'est très important. À moins que tu n'aies pas l'argent. Mais il faut toujours avoir cette culture-là de pouvoir soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est très très important. Le dimanche, il y avait un frère qui a soutenu ici avec 15 dollars. Il a soutenu ici. Et le lundi. Donc c'était dimanche, 15 dollars ici. Le lundi, il s'est attrapé 800 dollars. Vous comprenez? Il a investi combien? 15. Et le lundi, le jour suivant le lundi, il cesse. Et d'ailleurs, ça a commencé d'après ce qu'il a dit. Il a d'abord, on l'a appelé, on l'a envoyé 500 dollars. Et quelques minutes après, on l'a encore appelé, on a envoyé 300 dollars, ce qui faisait total 800 dollars. Yalobi wana ya pesa kisi mwana mokolo babengi batindi. Le même jour. Donc il faut savoir soutenir votre église. Dis ton voisin, tu n'as pas une autre église que celle-ci. Dis-lui. Tu n'as pas une autre église que celle-ci. Si vous ne donnez pas votre offrande ici. Si bon, vous ne donnez pas votre offrande. Vous irez donner l'offrande. Vous irez donner ça où? Nous n'avons pas une autre église. C'est ici notre église. Et puis on n'a pas un boss quelque part aux États-Unis ou je ne sais où qui nous envoie l'argent. Non, non. C'est nous-mêmes. Tout ce que vous voyez là, c'est le Dieu de Frère Branham avec la bonne volonté des enfants de Dieu.
Il faut savoir soutenir. Amen. Zambé apambolabino. Tu m'avais bloqué. Donc l'affaire là, là, ça ne te plaît pas. Il cambo est allé qu'on s'appelle sauté paradoxe. Le technicien n'est pas content du fait que je vous stimule à donner l'argent dans le compte du Seigneur. Il a bloqué les micros. Azui Aye. Aluka Kiango Azui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le dimanche, invitez les gens qui ont vu l'affiche qui est sortie pour les réunions des hauts faits. Peu de gens qui n'ont pas vu, lever les mains. Qui n'ont pas vu l'affiche. Ok. Si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp de l'église, voyez les honorables, donnez votre numéro qu'on t'insère dans le groupe WhatsApp de l'église. Ceux qui ont un groupe WhatsApp à l'Osambo, tu peux s'en aller, mais on n'a pas battu le coup, on ne peut pas côté ça, on a quatre groupes WhatsApp à l'Osambo. Donc, nous aurons deuxième édition sur les réunions des hauts faits. Bisoto Kozano Peko, Yami Balé, Ya Mayanganina Biso, Ya hauts faits. La première édition, c'était là où nous étions à l'ancienne adresse sur Kikuit, à Ngaba. Cette fois-ci, ça sera la deuxième édition. Ça sera le 12, le 13 et le 17 août. Oyami Balé, Toko Salango. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 12, 13, 17. Ah donc je vieillis aussi déjà. Donc le 12, le 13 et le 14. Oui, il y a le péco n'a pas mis balai, il y a au fait que ça l'angoisse le 12, le 13, le 14. Je sais que la première fois qu'on a tenu les réunions de Ofe, plusieurs étaient bénis. Qui ont été bénis par ces réunions-là? Levez bien les mains. Vous voyez, c'est presque tout le monde. Sauf ceux qui sont venus à partir d'ici. Ce sont des réunions très, très, très bénéfiques. Alors, le samedi, ça sera le matin. Le vendredi le 12, ça sera le soir. Le samedi le 13, ça sera aussi le soir. Et le dimanche, ça sera le matin. Alors, souvent, la fois passée, on avait fait seulement soir. Mais cette fois-ci, je pensais que le dimanche soit le matin. Et surtout aussi que ça coïncidait avec la date du mariage d'un l'un de mes frères, mes fils ici. Le 14 là, le dimanche là. La bonne volonté a travaillé en moi. La bonne volonté a travaillé en moi. Parce que je me suis dit, le mariage, la fête, c'est le soir. Mais si je mettais aussi la réunion là le soir, vous voyez que je vais combattre le mariage du frère. Ça ne sera pas une bonne chose. Faut comprendre à la place des autres. Alors, on va achever dimanche 14 le matin. Je crois que ça sera une grande bénédiction. Mais comme ce sont des réunions qui demandent aussi un peu d'argent, il faut aussi soutenir cela avec ce que vous pouvez avoir. Tu as quelque chose, vous donnez aux administrateurs. D'ici le 12, le 13, le 14. 12, 13, 14,
Vous avez encore combien de semaines? Deux semaines. Vous allez na poso mi balé mobimba. Dans les deux semaines, si Dieu t'a donné quelque chose, $100, 1 000, je ne sais combien, un 10, un 20, un 50, donnez et vous précisez aux administrateurs que c'est ma contribution pour les réunions des hauts faits. Tango zali kopesa ngwe pa bayanga li musolo yebisa ete zali mbongo nanga na Kongoli po na mayanga ni ya ofe. Que Dieu vous bénisse richement. Zambe apambola bino mingi. Alors il y a un homme de Dieu qui nous a rendu visite. Ezana mosale na nzamba ekota la biso. Il viendra, il nous salue et après on sort. Akoya kopesa biso mbongo. Venez saluer l'église. Dieu bénisse. Zambe apambola bino. Le pasteur Jean Robert. Ngai mokabi Jean Robert. Je suis le fils de la maison. Nazali mwana na ndako. Je voulais juste venir aujourd'hui pour saluer notre nouvelle adresse. Ngana yaki po ete na pesa mbote na sika na biso ya sika. Saluer le pasteur Grace. Pe na pesa mokabi Grace mbote. Je l'aime beaucoup. Na linga kayo mingi. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Ok, que Dieu bénisse son serviteur. Nzambe apambola mosali na ye. Il est pasteur à Man Caché Taberne. Azali mokambi na mana oye bomba mi mongombo. Je crois que Dieu nous donnera l'occasion pour aller faire le piétinement là-bas. Nzamba kopesa bisuli bakoma lamo pwete biso kene konyata esika wana. Dieu le bénisse. Je sais qu'il est venu à la fin là, il va me dire ça. Je sais. J'ai discerné ta pensée. Il va me dire à la fin là, mais c'est comment pour que tu viennes Taberne. Je viens de dire que je viendrai. Donc tu as déjà la réponse. Que Dieu soit loué. Alors nous nous retrouvons dimanche. Venez à temps. Il faut venir à temps, sinon tu manques de place, ça sera compliqué. Que le Dieu de William Branham, reçoit la dernière bénédiction. Que le Dieu que je prêche puisse te bénir richement. Amen. Sois prospère dans tout ce que tu fais. Amen. Que l'ange du Seigneur t'accompagne jusque chez toi. Amen. Qu'il puisse écraser chaque ennemi de ta vie. Amen. Que ce soit l'ennemi physique, ennemi spirituel. Amen. Ennemi de n'importe quelle manière. Amen. Femme de nuit, mari de nuit. Amen. Mauvais songe, masturbation, tout ce que le diable peut mettre sur ton chemin, que Dieu puisse le briser au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites de bons rêves ce soir. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la paix règne dans vos maisons. Amen. Shalom. Kimia. Les hommes de Dieu vont nous montrer comment sortir. Alors là, je voudrais que mon fils Sylvain vienne chanter. Viens. Ils ont un grand concert, lui, avec Maturia ici. Ça sera le quantième. De quoi juste que ça. Hein? Le 21. Et que ça, le 21. De mois d'août. Du mois d'août. Ça va chauffer ici. Tout le monde sera là. Motonyoso à cause à la wana. Chante pendant que nous sortons. Yo yemba wana tous allez kobima. Yes. Que le pasteur m'attende là-bas. C'est Jean. Kobi azelanga ikuna. Yes. Je te jure Seigneur, toi tu as gagné ma conscience. Quand t'as wani, toi tu as gagné ma conscience. Quand t'as Yesu, toi tu as gagné ma conscience. Je te jure Seigneur, toi tu as gagné ma conscience. Quand t'as wani, vraiment toi tu as gagné ma conscience. Quand t'as Yesu, toi tu as gagné ma conscience. Je te jure Seigneur, toi tu as gagné ma confiance. Quand t'as wani vraiment, toi tu as gagné ma confiance. Quand t'as wani Jésus, toi tu as gagné ma confiance. Je te jure Seigneur, toi tu as gagné ma confiance. Je viens
confiance et de tout soumettre. Car tu n'es pas un homme pour mentir, Yahweh, ni un fils de l'homme pour te répandir. Que ça marche ou pas, je te ferai confiance. Même dans la tombe, je te ferai confiance. Ah, je te jure, Seigneur, toi tu as gagné. Une très bonne chanson. Zembo qui toque au Penza. Sur tous les raisons. Nous sommes montés ma donc. Nous sommes passés à coller là. On s'est à Maoua. Yeah.